Savoir ce que tu fais et d'avoir bien ta tête sur tes épaules. Bah c'est très gentil, merci de dire ça. Ça me fait plaisir. T'es en première? Non, je suis en terminale. Do you speak English? Yes. Vite fait. Coucou, salut! Mais très rapidement, je parle pas beaucoup anglais. Enfin, c'est juste que ça me gêne en fait. T'aimes bien la série The Walking Dead? J'ai jamais regardé, jamais. Genre, on m'en a beaucoup parlé, mais je sais pas pourquoi je. J'ai pas regardé. Quelles sont tes spécialités? Physique, chimie, SVT et maths complémentaires. Tu es en chaussettes chez toi ou pieds nus? Oula, je réponds pas à ce genre de questions, ça va pas. Garde tes délires pour toi, genre, je te juge pas, mais. 17 de moyenne et tu fais des TikTok, MDR. En général, les gens comme ça, on n'a pas de téléphone. Non, pas du tout. Ça, c'est. C'est bizarre de penser ça. What is your mother tongue language? French. Oula! Don't speak English with me, ok? Vous lui posez trop de questions. Elle peut pas réviser, les gars. De ouf! Surtout que j'aime pas ne pas répondre. Tu veux me marier? Si tu veux, vas-y, la bague au doigt. Let's go. Je l'ai pas, mais. T'inquiète, fais genre. Je suis en première et je veux faire kiné. Je sais pas quelle spécialité à abandonner. Moi, je te dirais d'abandonner les maths et de les prendre en complémentaire. Parce que, bah. C'est le plus simple. Genre, s'ils voient que t'as SVT, physique, chimie et maths, ils te prendront. Enfin, et que t'as des bonnes notes et des bonnes appréciations, mais t'as capté. Faut aussi avoir des bonnes spécialités, quoi. Quelle idée de réviser en faisant un live aussi. Mais ça me motive, au contraire. Mais bon, en même temps, je fais rien. But I like your accent when you speak English. Me no. I don't like my accent in English, ok? Stop. Surtout qu'il y a beaucoup de français dans ce live, donc stop. Tu parles italien? Non, pas du tout. Vraiment pas. Tu parles espagnol? Non plus, je fais allemand. Je suis trop chiante. Je fais allemand au lycée. Pire décision de ma vie, mais tranquille. C'est pas grave, je le vis bien. C'est quoi ta matière préférée? Les maths. Je suis bizarre. T'as des conseils pour bien réussir son année de première? Alors l'année de première, je l'ai assez mal vécue, parce que bah, y avait le Covid, donc c'est un peu bizarre mon expérience. Genre j'avais une semaine sur deux à chaque fois, mais j'ai fini avec 17,12 au bac, la moyenne des trois, donc ça va. Et... Des conseils, bah c'est toujours réviser à l'avance en fait, mais c'est des conseils basiques, tu vois, donc toujours, toujours réviser à l'avance. Et genre, si t'as un trieur, pendant le week-end, tu t'organises. Pendant le week-end, t'es en mode, ouais, tu tries tout ton trieur et tout, tu mets dans des classeurs, tu. Voilà. Faut toujours trier les trucs et bien être bien cadré, avoir des planeurs, avoir des trucs. Sinon, tu t'en sors plus. T'as des conseils pour avoir des bonnes notes? Je suis nulle. Mais vraiment, c'est que des conseils basiques. Hein. C'est tout ce qu'on vous dit, faut l'appliquer et puis c'est tout. Genre, faut. Par exemple, genre, moi j'ai un tableau blanc. Ça m'a toujours beaucoup beaucoup aidé. Genre, vous prenez un tableau blanc avec des petits crayons là. Et genre, vous faites des schémas sur le tableau blanc. Et grâce à ça va vous permettre de mémoriser. Mais après, ça dépend de votre mémoire. Si vous avez mémoire visuelle, mémoire auditive, mémoire, etc. Bref, vous faites en fonction de vous en fait. J'ai pas la solution à tout, quoi. Le bac pour les terminales, ça se passe comment? C'est que du contrôle continu? Non. C'est à 40% du contrôle continu, 60% du contrôle normal, examen. Moi, j'avais 10 de moyenne, j'étais refait. Tant mieux. Yo, j'ai 17 ans, il n'y a pas un mec 14-18 ans qui peut me supporter. Vous avez parlé, je ne mords pas. Hola!
Merci pour les cœurs, les gens, c'est gentil. Quelle heure il est là? Merde, vous avez pas l'heure parce que si je fais ça, genre ça enlève le live. J'ai pas l'heure, ça me saoule. Quelle heure est-il? 11h54. Ah putain, déjà? Dans 5 minutes, je dois manger parce qu'après, je travaille à 13h. Je travaille dans une épicerie. Du coup, à 13h, je suis plus là, quoi. C'est chiant, je travaille pas beaucoup là en ce moment. Bon. C'est pas grave. Vous valez le coup. Je le sais. Et merci pour ceux qui ont donné l'heure, c'est gentil. Merci. Vos pieds sont-ils chatouilleux? Mais oh, mais vous êtes bizarre, hein? Il fait nuit chez nous. Ah ouais? Mais comment ça? Il fait nuit chez nous. T'habites où? T'habites vers. Je sais pas, les États-Unis, peut-être. Le Canada? C'est par là qu'il fait nuit, je crois. Je sais pas. Je m'y connais pas. On voit mon oreille, ça me gêne. Ah! Je suis du Canada. Oh, trop bien, la chance! J'aurais trop aimé être du Canada. Vers Tahiti. Ah, mais trop bien! Mais vous vivez dans des trucs incroyables, genre. C'est trop bien, moi je suis en France, dans un coin paumé. Mais bon, j'ai une belle maison donc c'est pas grave, ça va. Je fais une nuit blanche, sinon là c'est la nuit. Tu fais une nuit blanche et tu regardes une personne réviser. Très intéressant ton truc. Quel live éclaté, bordel de ouf! C'est toujours comme ça, hein. Mais c'est parce que, genre, j'aime bien essayer de vous transmettre le fait de réviser. Je révise avec toi, trop bien! Monte ton pied. Oula, non, mais là, faut bloquer là, faut bloquer là. Genre les gens, je m'en bats les couilles que vous avez des délires comme ça, mais ne me les donnez pas, genre. Je n'en veux pas de vos délires, gardez-les.